Je suis maintenant sur le stand d'une marque que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de Brogue Superior, donc une marque de mémoire d'origine anglaise, mais qui est maintenant assemblée et conçue en France, si je me trompe pas. Donc une marque très très haut de gamme. C'est des motos qui coûtent une véritable fortune, mais quand on voit le niveau de finition, on peut comprendre. Elles sont sublimes. Donc là, on est sur une version un peu scrambler. Et vous avez toutes les déclinaisons possibles, à savoir que ce sont des motos qui sont vendues à la carte. Hein. On choisit absolument tout ce qu'on veut sur ces motos. Regardez un peu le système de suspension, qui est complètement différent de ce qu'on a sur les motos, on va dire, classiques. Le design est magnifique, toutes les pièces sont valorisantes, c'est de l'alu, taillé dans la masse pour la plupart. On est sur un gros bicylindre en V. Les échappements sont magnifiques, que vous dire d'autre? Regardez un peu les différentes déclinaisons. Donc c'est toujours le même moteur, hein, si je comprends bien. Là on est sur une version SS100, avec des jantes pareilles qui ont l'air d'être taillées directement dans un bloc d'alu. C'est du délire, j'imagine même pas le prix d'une jante. Hop. Regardez aussi, donc éclairage LED avec les petits clignotants tout fin, bien discret, qui montre que quand on veut, on peut réussir à faire du beau et du homologué. Le moteur poli sur le côté, le réservoir qui est lui aussi magnifique. Donc je continue le tour de ce stand. De nouveau une version un peu sport, un peu plus café racer, celle-ci je dirais. Et encore, avec le guidon très haut, on peut pas vraiment appeler ça un café racer. Celle-ci a un guidon bien plus bas. On peut voir cette finition sur le réservoir qui est vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude, avec ces lamelles d'aluminium qui passent par-dessus le réservoir. C'est sublime. Et au fond, on en a une autre qui est vraiment pleine de chrome. Elle est rutilante. Pas eu là. Et j'adore aussi regarder ces échappements. Les quatre échappements à l'arrière qui sortent sur les côtés comme ça. C'est vraiment... Il n'y a pas plus beau en fait. Alors bien sûr, il n'y a aucun tarif d'indiqué, il n'y a pas de, d'infos sur les motos. Je pense que de toute façon, quand on est capable de se payer ce genre de machine, le tarif sera à la carte en fonction de ce qu'on demande. Hein. Alors je continue le tour de cette marque pour vous présenter le concept qu'ils ont fait en partenariat avec Aston Martin. Donc regardez, on a déjà une des toutes dernières Aston Martin, dont je me souviens plus le nom. Et à côté, la moto Aston Martin, appelée AMB001, si je me souviens bien. Donc en collaboration bien sûr avec Brogue Superior. Une machine magnifique. Je ne sais même pas si elle est vraiment homologuée ou même homologable, mais ce design est complètement hallucinant. Tout est bien fait, tout est en carbone, en métal noble, en même temps, sur une machine de ce genre, ça paraît logique. Et on a bien sûr la voiture derrière, Aston Martin, qui sert d'inspiration. On va retourner voir une autre de ces machines, qui était peut-être un prototype. Celle-ci est intégralement en carbone. Donc on peut voir, ici c'est écrit AMB001. Toute la coque est en carbone.
je pense qu'en fait ça a servi de prototype pour la version finale que vous venez de voir. C'était donc le stand Brogue Superior. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans l'espace réservé à ça. Et on se retrouve bientôt pour la suite.